Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathan Fonarstein, on se retrouve pour la saga des Terres d'Arad, un nouvel épisode qui sera consacré cette fois à une petite expédition minière vers laquelle je vais me diriger immédiatement. Donc, celle de le tout matin, mais je voudrais pas traîner trop longtemps en dehors, j'ai pas de montre, on verra bien ce que ça donne. Je risque de devoir poireauter dans une galerie à la sortie. C'est pour ça que je voudrais profiter un maximum de la lumière pour rejoindre les cavernes déjà, ce sera pas mal. Et ça me déprime que cet endroit qui était si joli soit un biome marais, je le répéterai jamais assez, mais... Hop, un petit peu de rotten flesh. J'ai 34 côtelettes, donc je devrais pas tomber à court de bouffe. J'ai une armure en diamant intégrale. Elle est un peu usée, mais elle est intégrale. J'ai une épée en diamant, j'ai un arc et des flèches. On est tranquille, je pense. Donc aujourd'hui, on va chercher le fameux charbon. Ce charbon qui me manque tant, qui m'empêche d'avancer. Parce que si j'ai pas de charbon, j'ai pas de pierre. Et donc forcément, on va devoir remédier à ce problème. Alors par là, il y a des cavernes, hein. On a déjà été faire un petit tour, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus si c'était en live, mais il me semble que c'était en live, hein. En live, vous me comprenez, c'est-à-dire si je l'avais filmé ou pas, mais je crois que je l'avais filmé. Et ici, on a d'autres, rien de passionnant, je pense. On va passer là derrière, il y en a des plus intéressantes. Alors hop, ici, ça dit quoi? Ici, il y a juste de la stone, donc sans intérêt. Et dès qu'on est de l'autre côté, là, devrait y avoir un peu plus. Alors je sais qu'il y avait un gouffre par là, mais en fait, j'avais déjà découvert que ça ne menait nulle part. Hop. Donc par contre là il y en a une, je vais aller jeter un oeil, ça va être notre premier objectif. Je manque un peu de torches, j'espère trouver du charbon assez rapidement. Ça va être une priorité de se refaire des torches. Ici donc j'ai un atelier qui traîne, preuve que j'ai déjà visité. Je le reprends. Et il me faudrait de l'eau en fait, je vais prendre de l'eau avec moi. Des fois qu'on tombe sur de la lave et que je m'enflamme. Ou alors ne serait-ce que pour transformer toute la lave en obsidienne et puis régler le problème des éventuelles inflammations. On verra. Alors je la garde à proximité, ça peut toujours servir. Go, go, go dans la caverne. S'il n'y en a pas là, il y en a un peu plus loin. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, celle-là n'a pas l'air très profonde. Elle n'a même pas l'air d'être une caverne du tout. Là, il y a du charbon. Ok. Et en bas, il y a de la lave. Alors ne pas tomber, hein. Ça m'arrangerait. Non, si je m'y suis pas déjà baladé dans celle-là, mais bon. Dans tous les cas, il y a du charbon, donc on attaque. Alors, ça risque d'être un peu de minage, hein, forcément. Je vais taper sur des cailloux. J'espère que le son du jeu est pas trop fort, mais ça devrait jouer. Il n'y a pas tellement de raisons. Ou peut-être que si, en fait. Je vais vérifier. Hop, option, son, non, il est à 4%. Donc vous devez l'entendre normalement. Je mets pas la musique parce qu'on se retrouve vite assourdi quand on tourne. Et puis au final, elle me lasse, la musique de Minecraft, je dois bien vous l'avouer. Alors, du charbon, ça c'est très bien. Je vais pas descendre là-dedans parce que j'ai comme l'impression que j'y suis déjà allé. Ouais, c'est trop tentant de pas check. La caverne a l'air quand même assez intéressante. Alors, hop. Hop. Essayez de pas se viander, ça a l'air assez profond. Il y a de la lave en dessous. Alors, c'est du gravier que j'aurais dû prendre. J'en avais plein qui ne me servaient à rien d'ailleurs. Hop. Voilà, je peux descendre comme ça. C'est hyper profond ce truc. Ouais, il y a des torches. J'ai déjà foutu les pieds ici. Il n'y a pas de souci. J'étais même déjà descendu, non? Ouais, je crois que je suis déjà descendu. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Bon, go. Go. Un peu périlleux, c'est peut-être pour ça que j'étais pas descendu. Et on va recourir à la bonne vieille technique, hein, donc. Il y a une méga caverne. Ça c'est entendu. Je sais pas si vous l'avez comme moi entendu. Là, il faut pas tomber. Il y a une méga caverne là-dessous. On va aller voir ça. Et là, il y a de la lave. Par contre, ça m'ennuie un petit peu. J'aimerais bien récupérer ça. On va boucher les arrivées de lave. On va voir si on peut. Hop, là faut pas tomber. Il y a encore quelque chose qui descend bien profondément. Ça a pas du tout viré la lave en fait ce que je viens de faire. Hop, qu'est-ce que c'est, on fait ça. Hop là. Est-ce qu'elle se vire ou elle se vire pas? La physique de la lave est très particulière.
pas descendre. Il y a du zombie dans le pays. Voilà, je crois que le problème de la lave est réglé, plus ou moins. On va éviter de se promener trop près de cet endroit-là. Alors, ben ici, je note qu'il y a quelque chose. Hop. Et donc, les torches toujours sur la paroi de droite. Quand c'est possible. Hein. Là, par exemple, il y a de la lave qui traîne encore. J'aime pas tellement tout ça. J'aime pas tant très bien tout ça, moi. J'ai de s'en débarrasser. Voilà. Excuse moi, je vais être obligé d'éclairer ici, hein. Mais là, alors ça descend. Ça va jusqu'au centre de la Terre ou quoi, cette horreur? J'entends du zombie. Du zombie. Alors, du charbon. Je viens de me rendre compte que c'est peut-être un petit peu risqué ce que je fais. Donc, ça a l'air d'aller. Hop, je crache pas non plus sur le fer. Hein. J'ai le droit de mourir, mais j'aimerais mieux éviter. Qu'est-ce que je craigne? C'est vide en dessous. Pas tant que ça, mais bon, on va descendre. Hein. On va éclairer un peu. Il y a encore du charbon là. Je prends tout ce que je peux. Hop là. Ouais, c'est bien. La récolte est bonne. Bonne caverne, bonne trouvaille. Pas eu besoin de chercher. Et je vous jure que c'est du freestyle. Hein. Je suis pas, j'ai pas été explorer avant de vous prendre. Je fais ça à la bien. Et là, je suis curieux de savoir ce qu'il y a en bas. Par contre, ouais. Encore une galerie. Donc, les torches à droite. Là, c'est vide. Wow. Là, on entend du zombie. Ça peut me tomber sur la gueule à n'importe quel moment. On entend bien le zombie. Ça vaut la peine de descendre. Je suis pas certain. On va plutôt monter par là. Et je vois des torches que visiblement c'est moi qui ai posé. Ah, je suis le seul à jouer sur cette map. Hein. Alors, je sais pas, peut-être une galerie qui tourne en rond puis qui remonte. En tout cas, j'ai oublié. Si c'est moi, bon, c'est moi, mais j'ai oublié du fer en venant, donc je le prends. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ah, c'est bien, c'est. Oh, c'est sécurisé. Que nenni. Alors, les gens. Je suis un meilleur sniper que toi. Où es-tu? Sans déconner, double kill? Une flèche de mort. Pas mal, Nat. Ça va dans tous les coins. Ça va dans tous les coins. Alors déjà, une galerie sécurisée. Ah, il est là, mon copain zombie qu'on entend depuis tout à l'heure. Bah viens, n'aie pas peur. Wow, wow. Allez, je te prends ta chauchotte. Allez, go, viens. Ah, il m'a fait peur, lui. Tiens, ouvre-toi ça. Aïe. Vive les armures en diamant. Donc, vous allez vous calmer tout de suite. Je vais monter éclairer.
j'entends quelque chose brûler. Aïe! Wow, 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 wow. T'es pas gentil avec moi, toi. Go, 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 ouais. Squelette, je sais pas ce qu'il a foutu. Il est mouru, visiblement. Hop. Donc, c'est blindé de ressources, hein. Je les ai pas prises, je sais. Je vais y retourner. Ça continue pas. Non, ici, ça continue pas. Donc, ça, c'est déjà ça de dégager. J'avais dû faire. Il est là. Je le chope. On n'a jamais assez de fer. Au pire, je pourrais me refaire une armure complète en fer. On va remplacer quand celle-là à diamant sera raide. Alors, ça, c'est une bonne chose de fait. Là, il y a encore du fer. Il me semble que plus haut, il y avait encore des ressources. Du coup, je sais. Ouais, j'ai l'air de venir d'ici. Bah oui, je viens d'ici en fait. Oh, oh, salut toi. Vive les armures de diamant comme ça, on casse. Alors d'où t'es venu petit? Ah bah je vois le charbon. Il y a du charbon là. On le pique, on le pique, on le prend. Il y a des jolis bugs d'affichage. À l'époque, on voyait ça que sur des serveurs. Maintenant, ça le fait même en solo. C'est un peu déprimant à l'usure. Hein. Merci Minecraft, merci les mises à jour. Là, ils viennent d'annoncer la 1.2, mais sans déconner, faut arrêter. Ils rajoutent des biomes encore. Franchement, je trouve que ça n'a aucun sens. Faudrait peut-être penser juste à sortir ce jeu une bonne fois pour toutes et arrêter de nous obliger à refaire toutes les mises à. Aïe. J'aimerais finir de parler, t'es gentil quoi. Ah, je vais taper avec un œuf, tronche. Donc je disais, il faudrait vraiment penser à sortir un jeu en version définitive pour de bon et arrêter de nous faire faire des mises à jour toutes les 30 secondes. Il y a encore une araignée. Dis donc, il y a tout le pop de mobs de la Terre qui s'est réuni dans cette caverne. Aïe, deux squelettes. Back. Alors, hop là. Ah, ils se sont tués mutuellement en fait tout à l'heure. Ouais, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Spice d'Ikunas. Aïe, encore un. Aïe, bah, il est là, je crois. Et mon armure, elle encaisse tellement bien. Je prends rien du tout comme dégâts. Hop. Sans deck. Il y a combien de mobs là-dedans? Désolé, hein, ça m'a tellement pris par surprise. Encore? Faut juste arrêter 2 secondes là. Wow, jamais être tranquille. Je peux faire des torches là. Merci. Oui, je sais, il y a une méga caverne. Je confirme. Il est où? Aïe! Vous avez fini, oui? C'est interdit de popper comme ça. Bon. Alors, on dit que les torches au sol ne comptent pas, mais il faut vraiment que j'éclaire mieux cette caverne-là. Celle-là ne m'emmerdera pas. Voilà. Alors, on peut avancer. J'ai utilisé beaucoup de charbon, du coup, sur des torches. Ouais, c'est ce que je me disais, j'ai encore vu des mobs. Aïe. Hop, je t'aurais. Je crois que je lui ai mis un gros crit dans la tête, là. Ok, là, visiblement... J'ai encore pris un coup. Eh, mais cette armure de diamant, c'est énorme, hein. Vous avez vu le nombre de coups que j'ai pu manger dans la tête sans qu'elle... sans perdre de points de vie? C'est pas normal, je suis pas en hard, là. Non, je suis en hard. Je comprends pas.
Comment que ça encaisse ce truc? C'est fou. Bon, j'ai aucune idée du temps. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça a déjà été bien assez mouvementé comme ça. Oh, on continue un tout petit bout. Parce que je suis curieux. Puis visiblement, là, il y a des bugs de flotte, même dans les souterrains, quoi, sans déconner. On prend un peu ce charbon, on avance un petit peu. Parce que je suis très curieux de savoir ce qui se plante par ici. Qui vient de tomber. Ah, j'ai pris des dégâts. En tombant, j'ai pris des dégâts. On a dit les torches qui sont pas à droite par terre. Donc celles par terre ne comptent pas, on rappelle. Hein. Une astuce pour éclairer les grandes zones. Ok, voilà. Je peux atteindre le mur, merci. Ça continue par là. Cette caverne est juste complètement immense. Et ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça. Et franchement, on retrouve le plaisir de jouer à Minecraft quand on fait ça. Ça continue, hein. Ici aussi. Sur des bornes et des bornes. Là, ça descend encore. Allez, sans deck. Je vais procéder par ordre. En remontant, je mine tout ça. Parce que je vais me paumer, hein, de toute façon, je me connais. Je remonte jusque là où vous avez vu, il y avait une masse de charbon. Et je vais arrêter ici cette vidéo. On en refera une deuxième. On va en refaire une deuxième parce que moi, j'aime ça. Ça me rappelle le temps où je débutais à Minecraft. J'adore en fait explorer. Ce jeu est meilleur quand on va sous terre. Donc je vais profiter de faire encore un deuxième épisode là-dedans avant de reprendre la construction du monastère. Ça nous change un petit peu. Et puis ça détend. Et puis c'est tranquille. Et puis c'est détente quoi. Allez, salut tout le monde. À bientôt. Et portez-vous bien d'ici là.